très très chaud au Cameroun en ce moment. Sun Run, la pyramide de Ponzi, vient de s'enfuir avec, tenez-vous tranquille, 20 milliards de francs CFA, soit 30 millions d'euros. Dans un pays pauvre, voilà encore une autre pyramide de Ponzi qui vient de frapper très 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 fort. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, si ça t'intéresse, tu t'abonnes mon ami. Je suis en ce moment à Washington pour une grosse formation que je donne ce week-end, samedi, notamment avec mon mentor Bertrand Chauffeau, au cours de laquelle on va partager des opportunités qu'il y a à saisir sur le continent africain. Donc si tu es en Amérique, tu dois absolument prendre ta place. Il ne reste que quelques heures, c'est le moment de passer à l'action. Si tu veux savoir comment tu peux gagner 2000, 5000, 10 000 dollars sur le continent africain, tu viens à la formation et tu vas ressortir de là avec de vraies stratégies. Pas l'argent facile que les gens veulent aller ramasser en allant dans des pyramides de Ponzi. Et ça, je vais en parler dans cette vidéo parce que Sun Run vient de run avec l'argent des gens au Cameroun. Et demain, je parlerai aussi de la Côte d'Ivoire parce que ce sont des frères. Il y a eu une autre affaire là-bas aussi, toujours les mêmes gens. Je vais en parler demain. Mais aujourd'hui, d'abord, on est dans le Sun Run, le soleil qui fuit. C'est incroyable, les amis. Je vais porter. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil. Tu vois, il fait froid ici à Washington. On n'est pas à Miami. Il fait froid ici à Washington. Et pourtant, pour cette vidéo spécialement, j'ai porté mes lunettes de soleil parce que le soleil fuit. Et il fuit avec l'argent des gens. Sun Run. Voilà le nom de l'entreprise au Cameroun qui est en train de faire pleurer 29 millions de Camerounais. Parce qu'on est dans un pays de 31 millions d'habitants, mais 29 millions de pigeons. 29 millions de Camerounais qui sont toujours prêts à se faire arnaquer par la première proposition mielleuse qui leur passe devant. Ce sont les mêmes qui n'ont pas d'argent. Voilà les fêtes qui approchent. Ce sont les mêmes qui vont prendre des crédits. Tu lui demandes de l'argent, il n'a jamais d'argent. Tu lui demandes de te soutenir dans un projet, il n'a jamais d'argent pour te soutenir dans un projet. Mais dès qu'il entend qu'il y a une offre quelque part où il faut mettre... Sun Run proposait des rentabilités entre 133 et 300% de rentabilité, les amis. 133 à 300% de rentabilité. Sun Run, c'était l'entreprise du futur. C'est l'entreprise du soleil, du solaire. C'est l'entreprise qui vous permet d'investir dans les énergies renouvelables. C'est une entreprise bio. C'est une entreprise bio, on te vole bio. C'est une entreprise qui est dans la nature, c'est une entreprise qui est proche des gens. C'est une entreprise qui te fait du bien. Hein? C'est Sun Run, c'est l'entreprise qui run. En gros, c'est une arnaque, une marmaille qui s'est installée au Cameroun il y a quelques temps. J'en ai pas entendu parler, en sourdine. Et il disait aux gens, ouais, vous pouvez acheter des panneaux solaires virtuels, virtuels mon ami. Et on devait faire des installations à gauche, à droite. Bref, ton argent, tu mets ton argent, tu dors, ton argent se transforme et ça revient vers toi. Et comme d'habitude, les Camerounais se sont dit, waouh, le pays s'y est dur. Donc si on peut avoir une opportunité comme ça de gagner 133 à 300% de rentabilité avec un bon système dans lequel tu recrutes des gens, c'est toujours la même chose, hein, les amis de l'IA Primal. C'est toujours la même chose, tu dois recruter des gens, tu as des leaders, les grands grands leaders, les suprêmes leaders. Voilà, tu dois faire du recrutement et plus tu recrutes et plus tu as d'argent. Voilà, donc et les gars se sont mis à fond. Donc les crédits, les gens sont allés casser la banque, les gens sont allés prendre l'argent qu'ils avaient caché sur le matelas depuis des années et ils sont allés donner ça au soleil qui fuit. Sun Run, l'entreprise du futur, l'entreprise qui fuit. Et donc Sun Run leur a promis donc pour les fêtes, ça va être énorme. Ça va être énorme, on va casser la baraque. Les gars sont allés se mettre dans le trou profond. Parce que c'est toujours la même chose. L'argent rapide, l'argent facile. Et donc du coup, les gens sont allés donc prendre toutes leurs économies, sont allés donner à Sun Run. Et maintenant, il y a eu même quelques personnes qui ont essayé de les alerter. J'ai lu des commentaires abubuesques. Parce que j'ai vu, en faisant quelques recherches sur l'entreprise, j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient fait des vidéos pour dire attention, Sun Run, c'est une arnaque, c'est pas bon, faites attention, les propositions qu'ils font sont trop juteuses, c'est un business bizarre, ils ont leurs locaux à Bonabéry, c'est vrai, mais bon, c'est quand même pas très sérieux tout ça. Et comme d'habitude, quand tu vas alerter comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, lisez les commentaires, moi j'ai lu les commentaires des gens qui disent l'oiseau a vu ton caillou, ça c'est un jeune homme qui faisait la vidéo, et en commentaire, Abdurrahman Amadou lui répond, l'oiseau a vu ton caillou, Sun Run, mon combat. Oui, mon petit, Sun Run, c'est ton combat. Johan Baka, Sun Run pour l'instant c'est bon. Donc bro, ferme-la. Oui, Johan Baka, Sun Run c'est bon, mon petit, pour le moment c'est bon. Sun Run est. Et maintenant Scotty dit, Sun Run est là depuis février, mon frère, pardon, c'est parce que tu ne connais pas. Mais bien sûr, Scotty, on ne connaît rien du tout. C'est toi qui connais. Et un autre, La Menace, lui s'appelle La Menace. La Menace te dit, je fais mes retraits sans risque, tu racontes même quoi? Mais c'est pas possible. Moi je retire mon argent sans problème, c'est Sun Run. Et toi tu viens me parler de quoi, mon frère? Le soleil, là, le soleil ne bouge pas, le soleil là, chaque jour. Donc chaque jour, je mange mon argent. Christian Vallée est venu commenter il y a quelques heures. Il avait raison. Ah bon? Il avait raison? Le petit avait raison? Il avait raison, apparemment. Mais c'est toujours la même chose. Moi, je suis arrivé à un stade où je n'ai plus pitié de vous. C'est fini. Les histoires des vidéos de compassion pour les arnaquer, ayez pitié des victimes, c'est fini, les amis. Il n'y a plus de pitié pour vous. Vous voulez vous enjailler avec l'argent facile, vous allez désormais en payer le prix. Aussi simple que ça. Vous ne voulez pas vous éduquer financièrement. Quand vous dites, mon frère, viens payer une formation, je suis investi au pays, tu vas comprendre comment on investit. Tu dis que non, c'est le schéma. Le grand là, il veut nous frapper. Ah bon, d'accord, ok. On te dit, non, forme-toi, même si c'est pas je suis investi au pays. Forme-toi pour comprendre comment marchent les investissements avant de mettre ton argent. On fait même des vidéos pour expliquer comment reconnaître une arnaque. Tu dis, non, 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 ça, c'est les jaloux. Les jaloux veulent t'empêcher de percer dans ta vie. On est tous les sorciers de ta vie. Donc, du coup, tu y vas.
Tu y vas, ok? Parce que nous, on te veut du mal. Nous, on est jaloux de toi. Nous, on veut te détruire. On est contre ton progrès. Mais il faut que tu ailles au bout de tes idées. Donc, tu prends donc ton argent. Tu vas mettre là-bas. On t'arnaque. Propre. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Maintenant, Philippe, s'il te plaît, tu peux pas parler de l'arnaque Sonron? Oui, Philippe, tu commences à avoir des messages. Oui, comme d'habitude, quand vous arnaquez, que vous me contactez. Tant qu'on ne vous a pas encore arnaqué, vous êtes dans le schéma et vous croyez. Oui, non, Philippe, mais il faut que tu parles de ce sujet-là. Il y a une société américaine qui a fait fureur au Cameroun. Elle s'appelle Sonron. Mais il a run, mon ami. Dans le nom de l'entreprise, Sonron. Le soleil. Le soleil s'enfuit. Tu veux quoi? Tu veux quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, mon ami? Le soleil est parti. Le soleil dure un temps, après il s'en va, il revient demain. Toi, attends, il va revenir demain. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable que le même système fonctionne. Les gens se plaignent, ils pleurent. Un autre schéma revient. Ils viennent encore se plaindre et ils pleurent. Il y en a même, et ça c'est le plus, ça c'est le pire, qui font en sachant ce qu'ils font. Galliano Givenchy dit, profitons avant qu'ils ne ferment. C'est tout, on s'en fout des détails. Mieux ça que de laisser l'argent, on vient voler. Donc lui, il sait déjà que son nom, c'est une pyramide de Ponzi. Il sait déjà que ce sont des voleurs. Mais il s'est dit, on va aller voler ensemble. Je vais aller m'associer à son nom et on va voler ensemble. C'est-à-dire que je vais mettre mon argent. Je vais aller prendre les gens que je connais, je vais les pousser à s'affilier. Je vais prendre leur argent derrière Sonron. Et comme ça, quand Sonron va dédaler, je vais me retourner vers les gens pour dire, oh les gars, on nous a tous volés. Alors qu'en fait, c'est moi qui ai pris votre argent derrière Sonron. Voilà donc comment, derrière le schéma, il y a le schéma du schéma. 29 millions de Camerounais, 29 millions d'arnaqués, 29 millions de volés, 29 millions de pleurs. 20 milliards de francs CFA. Donc il y a autant d'argent qui circule au pays. Des milliers de victimes encore, après tout ce qu'on a déjà dit, tout ce qu'on a déjà dénoncé derrière ces pyramides, vous êtes encore des milliers à aller mettre votre argent dedans. Quel courage! Et vous voulez combien de pleurer pour vous? Pas moi. Le son à run, les amis. Le son à run. Ça va être comme ça, les amis. Moi, je veux seulement rire. Ça tombe, je ris. Ça tombe, je ris. Il n'y a même pas assez réfléchi de... Ouh, je rigole. C'est tout. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des Buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.